Et salut à tous ses amis, c'est Naruto Kyokoz. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison numéro 2 de Nation Glory. Oui. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison et c'est parti. Donc les gars, on se retrouve sur Nation Glory pour le début de la saison 2. Et donc, comme beaucoup de gens vont sans doute me demander, est-ce que tu es encore avec Fuse? Tu es encore avec Julien 1800? Et tous les autres ministres et tout ça, vous aidez encore Fuse? Et ben la réponse est non. Pour mon cas, je vais continuer à jouer avec Julien 1800, Cyberdelta, et en gros quasiment tous les anciens du Royaume-Uni. Comme vous pouvez voir, on est déjà à peu près 24 joueurs, donc c'est déjà pas mal du tout. On a notre petit pays, et il s'agit des îles Andaman, comme vous pouvez voir. Nous avons une toute petite île. Sauf, bien sûr, vu qu'on a commencé il y a 2 jours, on a déjà terraformé l'île pour faire un énorme truc. Donc, quoi de mieux que de vous montrer des petits timelapses pour vous montrer tout l'avancée qu'on a déjà fait. Donc, j'espère que vous êtes prêts, et c'est parti. C'est bon, ça rec? Ouais, c'est bon, ça record. Salut YouTube, c'est Julien, et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle maison avec Atmaz. Salut Atmaz. Bonjour. On est aussi avec Victor qui est AFK comme d'hab et le grand Narukux. AFK comme d'hab. Alors les gars, est-ce que ce petit timelapse vous a plu? Je sais que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de Minecraft et surtout de timelapse sur des constructions. Et je sais que ça vous avait manqué. Donc n'hésite pas à mettre un énorme like, à t'abonner et surtout mettre plein de commentaires si cette vidéo t'a plu. Et là les gars, surtout vous demandez, mais ça va être quoi le thème dans votre pays? En fait, notre pays sera des maisons sur pilotis et une île paradisiaque. Oh oui! Et donc on a déjà commencé à faire la construction de notre île paradisiaque, comme je vous ai dit en début d'épisode. Et donc, vous voulez voir l'avancement? Oh oui, vous voulez voir l'avancement. Donc, je vous montre ça. Donc, comme vous pouvez voir, moi hier, j'ai build toute cette partie-là avec le reste du pays. Donc ensuite, je suis allé me coucher. Et en revenant là, aujourd'hui, je vois qu'il y a tout ça qui a été rajouté. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas fini encore ici. Hein. Il reste encore du terraforming à faire. Bon, il reste du terraforming partout à faire sur tout le contour de l'île, littéralement. Mais ici, comme vous pouvez voir, ils ont juste fait la première couche et il faut juste remplir à la bonne hauteur, on va dire, tout simplement. Et franchement, notre île, qui était à la base juste cette petite chose, toute petite là, juste cette petite chose, on l'a agrandi énormément. Bon, c'est sûr que comparé à d'autres pays qu'il y a sur Nation Glory, c'est ridicule. Mais franchement, on a grave géré en faisant une énorme île en l'espace de 2 jours de l'ouverture du serveur. Franchement, c'est énorme. Et forcément, comme vous en doutez, j'ai fait un timelapse de toute cette construction de sable qu'on a fait. Donc, n'attendons pas plus et commençons ce timelapse. Alors les gars, est-ce que ce timelapse vous a plu? J'espère que oui. Et si ça t'a plu, t'as intérêt à mettre, quand même mettre un like et t'abonner. Parce que franchement, c'est énormément de travail pour faire ces timelapses. Comme vous pouvez voir, on est devant 4 silos pour l'entreprise de farming.
Notre entreprise de farming, on vient juste de la créer il y a moins d'un jour. Et donc, bon, bien sûr, pour le moment, on n'a que 9 dollars. Donc, on est encore en train de mettre en place notre petite entreprise. Donc, pour le moment, ben, il n'y a pas grand-chose. Mais on commence petit à petit à remplir les silos. Donc là, pour le moment, on a quand même quelques kilos. Hein. On a presque 2 tonnes d'orge et ainsi de suite. Et donc, bah franchement, je pense qu'il est l'heure de farmer ces petites graines pour encore augmenter la quantité qu'il y a dans les silos. Donc on se retrouve une fois que j'ai farmé comme jamais. Sur ce, à tout de suite. I'm farmer, I'm farmer, I'm farmer, I'm farmer, I'm farmer. I'm farmer. Je farme trop, I'm farmer. J'y crois pas comment je farme trop. I'm farmer. Le farmer parfait, zéro défaut. Putain comme je farme trop. I'm farmer. Ok les gars, comme vous pouvez voir, ça fait exactement plus de 3 heures que je suis en train de farmer. Et j'ai réussi à peine à récolter tout ça. Franchement, c'est hyper long. Il faut utiliser de la bonne mild. Et ainsi de suite. Franchement, c'est hyper, hyper long. Mais en tout cas, j'ai réussi à farmer tout ça. Donc franchement, on va récupérer tout ça. Voyons voir. Donc au niveau de celui-là, combien est-ce que je vais en avoir? Donc on passe de 38% à 57%. Ce qui correspond à 2886 kilos, les gars. C'est énorme. Ensuite, les tournesols, on passe de 25% à 39%. On est presque à 40%. Et pour finir, l'avoine, on est à 19% pour arriver à 28%, les gars. Franchement, c'est pas mal du tout. En tout cas, je compte pas refarmer avant très longtemps. Parce que c'est hyper long pour très peu de farm. Et si vous voulez que je farme, je ferai pour 100 likes, je ferai pendant une heure de farm. Donc si vous mettez plus de 200-300 likes, ce sera pour 100 likes, une heure. Donc, allez-y, lâchez des likes. Donc les gars, après ce farming de qualité, et surtout la petite musique, n'oubliez pas, à 30 likes, je vous sors la musique complète. Alors n'hésite pas à mettre un maximum de likes, et d'en mettre même plus que 30, voire 50, voire 100 likes. J'en veux énormément. Et n'oubliez pas de mettre plein de commentaires, et surtout de vous abonner les gars, c'est totalement gratuit, et moi ça m'aide énormément. Donc qu'est-ce qu'on vient faire là? On est au Warp Europe. Et donc, comme vous savez, à côté du Warp Europe, il y a le Royaume-Uni. Et donc, j'ai envie de voir à quoi ressemble le Royaume-Uni sur ce serveur. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'est devenu mon pays, ma vraie patrie, à l'époque de la saison 1 de Ash of Glory. Donc, j'ai envie d'aller voir ce petit pays, qu'est-ce qu'ils sont en train d'en faire. Je vais prendre une petite potion d'invisibilité, comme ça, j'évite de me faire buter. Ah là, j'avais oublié que le parachute, c'est long. Terre en vue. Donc, on est arrivé au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'intéressant ici? Ah, déjà, il y a... Déjà, je vois qu'ils font des petites fermes comme nous, une petite entreprise. Alors, c'est ça, leur petite architecture. Eh, franchement, c'est sympa, hein. Attendez, visite de pays, vous savez. Faut mettre des shaders. Ah ouais. Ah, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est totalement différent de notre Royaume-Uni à nous. Hein. Bon, ils ont pas encore construit énormément, mais franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Ah ouais, eh, franchement, c'est vraiment sympa, hein, ce qu'ils ont fait. Beaucoup de blocs de Westeros, hein, par contre, à ce joueur. Hein. C'est quoi, ça? Oh, sympa! Alors, ça, j'adore. Ah, c'est leur panneau de nota. Bienvenue au modo, nanana, ouais. Donc, ils ont fait le FOM juste ici, l'espace commun, la maison, maison, cas. Ah, vraiment pas mal du tout. Alors, franchement, j'aime bien leur petit FOM, là. Franchement, c'est hyper joli. J'ai hâte de voir l'état final du pays quand même. Je pense qu'on reviendra quand le pays sera totalement fini. Et si on allait visiter vraiment maintenant le pays de mon ancien chef? Vous savez, Fuse 3. Ah merde, c'est vrai, je suis invisible, ça sert à rien. Bon, on va voir le pays de Fuse 3. Allez, c'est parti. Ah les gars, on arrive enfin au pays de Fuse avec Kumiz. Donc, voyons voir. Vous savez quoi? Comme d'habitude, vous savez bien, je vais mettre des shaders quand j'arrive dans un pays. Voir ce que ça donne. Ça, c'est leur panneau de nota. Ah bah punaise. Oh là là. Ah, ils retournent sur du bug. Oh là là. Grosse quantité de bug. Ça va coûter très cher en Westeros, hein, pour ce pays. Hein. Bon, ouais, bon, pour le moment, voilà quoi. Hein. C'est pas fameux, j'ai l'impression. Bon, en vrai, non, ça va, je suis mauvaise langue. Ça va, ça passe. Ah, PS, le bug, c'est tellement chiant, c'est tellement lent quand tu marches dessus. Par contre, stylé le gravier sur le toit.
pas ouf. Ouais, par contre, les détails de ce bâtiment, ils sont sympas, je trouve. Bon, en vrai, je pense que pour l'instant, je peux pas trop juger, hein, parce que là, ils ont fait un mélange de bois. Je pense qu'ils ne devaient pas avoir assez de Westeros pour pouvoir faire tout le toit. Et ça coûte cher, le Westeros, hein, forcément. Donc ouais, pour le moment, bah, je peux pas vraiment juger, hein, c'est pas encore avancé. Hein. Ouais, bon, le style, il est classique, hein, c'est vraiment un build classique que j'ai vu très fréquemment sur Nash and Glory. Hein. Je pense que le pays, peut-être d'ici hop, un mois, je pense qu'il sera plus avancé, donc on pourra venir voir de nouveau. Bon, rentrons dans notre pays. Et les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et mettre plein de commentaires, c'est totalement gratuit et moi, ça m'aide énormément. Je vais essayer de faire une vidéo une fois par semaine. Mais bon, ça va dépendre du contenu qu'on arrive à produire durant la semaine. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Hey, toi. Oui, toi. Tu sais, tu peux t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de lâcher ton plus gros like. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'ai aussi un compte Twitch sur lequel je fais des lives une fois de temps en temps. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou aussi sur mon Discord. Si jamais tout est dans la description, n'hésite pas à aller voir. Sur ce, merci à toi et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!